éloignez-vous de la bordure jaune du quai, s'il vous plaît. Le chemin de fer à crémaillère, c'est un chemin de fer qui permet de gravir des pentes de 25 à 27% avec ce type de crémaillère que nous avons. Actuellement, le chemin de fer de la Rune est le seul chemin de fer au monde d'époque en exploitation commerciale. Alors, un chemin de fer à crémaillère, c'est un rail central sur lequel se fait la traction et le freinage. Les rails latéraux ne servent uniquement au roulement et au guidage. Tout se fait sur la crémaillère qui se trouve au milieu, le rail central, avec des pas de 100. Les motrices sont équipées de deux moteurs avec une démultiplication d'engrenage avec un rapport 13 sur 1. Et ces moteurs ont la particularité d'être des moteurs asynchrones, c'est-à-dire travailler toujours à la même vitesse, aussi bien à la montée qu'à la descente, quelle que soit la charge. Ceci, c'est une particularité de ces moteurs, et à la descente, nous restituons de l'énergie réactive que nous renvoyons sur le réseau EDF. Donc ça offre une très grande sécurité, une très grande marge de manœuvre. Bien sûr, on est limité par la vitesse, on est limité par la traction à la montée, mais c'est ce qui donne tout le charme à ce chemin de fer, vu qu'il fonctionne à 8 km à la montée et 8,5 km à la descente, avec des normes de sécurité, des vitesses que nous ne pouvons pas dépasser. Si éventuellement il y avait une coupure de courant, il y a un système de déclenchement de freins automatiques et de coupure de disjoncteurs qui immobilise le train sur quelques mètres. La crémaillère centrale ne s'use pas. En principe, les parties fixes s'usent très très peu. Nous avons usé en 75 ans 2 mm. Nous avons une tolérance de 7 mm. Donc on a encore 5 mm à user. Avant d'user les 5 mm, il peut se passer encore des années et des années. Ce sont les parties mobiles qui s'usent et ce sont des pièces maîtresses qui sont fixées sur les motrices. C'est ce qui fait la traction et le freinage. Ces pièces sont changées dès qu'elles atteignent une cote d'usure normale et fixée par le constructeur. Dès que cette cote est atteinte, systématiquement, on change les blocs dentés de crémaillère qui assurent la traction et le freinage. Donc, c'est les parties mobiles qui s'usent. Les parties fixes ne s'usent pas, ainsi que les rails. En 75 ans, nous avons usé à peu près sur les rails aux environs de 3 mm. Donc, c'est une cote d'usure vraiment très minime. Bon, ce chemin de fer a toujours eu une vocation exclusivement touristique. D'abord, au point de vue tracé, au départ, la ligne devait se faire d'Asquin. Ensuite, notre étude a fait réaliser ce projet du départ du col de Saint-Ignace. Ce chemin de fer de la Rune était relié à la gare du col de Saint-Ignace au tramway qui descendait à Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Secoua, Andaille. Et la bifurcation allait aussi sur Sarre. Donc ce chemin de fer desservait au sommet de la Rune un hôtel, c'était l'hôtel Imperator, qui après est devenu un centre émetteur de radio, plus après l'hôtel ayant cessé toute activité, c'est devenu un centre émetteur de TDF.
La filomanière de la Rune part d'une altitude de 106 mètres pour monter à une altitude de 904 mètres. Il y a à peu près 1,5 km de rampe au départ à 25-27%. Ensuite, il y a à peu près 1 km, même pas 800-900 mètres de plat. Et après, on rattaque un deuxième raidillon sur 1,2 km à peu près, 1,3 km de montée. Avant d'arriver au sommet, qui fait toujours aussi 25 à 27% avec comme caractéristique, cette ligne a été toujours taillée à flanc de montagne, donc il n'y a absolument aucun ouvrage d'art, ni pont impressionnant. On ne traverse jamais le vide, on est toujours à flanc de montagne. Oui, ça vient des Pyrénées, il y a une ligne qui arrive directement des Pyrénées et qui amène le bois à la station. Ah oui, je parle au début de l'exploitation. Oui, parce qu'il y avait une ligne de tram qui allait de Saint-Jean-de-Luz à Sarre et qui ici donnait la correspondance. Alors c'était la ligne de tram et la Camaïre étaient alimentées par la même ligne à haute tension. Seulement sur le tram, c'était du courant continu, l'alternative triphasée. Il y a deux phases par les fils et la troisième phase par le rail. Pourquoi ce chemin de fer ? Il est incontestable que quand on voit le relief des Pyrénées occidentales, arriver ici au-dessus de Saint-Jean-de-Luz, je ne dis pas qu'elle tombe dans la mer, mais il y a au-dessus de Saint-Jean-de-Luz un belvédère qui est constitué par la montagne de la Rune, qui culmine à 900 mètres. Donc, il était tentant, au moment où le tourisme s'est développé en France, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale, de faire quelque chose qui faciliterait l'ascension de la Rune, puisque tous les gens qui étaient montés au sommet de la Rune antérieurement en étaient revenus enchantés, disant que de là-bas en haut, on avait un point de vue magnifique sur les deux versants, sur le versant français, donc vers les Landes, vers le nord, et puis sur le versant espagnol, parce qu'on domine la vallée de la Bidassoa et on a une vue imprenable sur les montagnes de la Navarre et du Guipuscoa voisin. Donc monter à la Rune, ça vaut vraiment la peine. Seulement, il n'y avait même pas de chemin piétonnier, c'était que des sentiers de bergers. Il fallait donc établir un moyen de transport moderne. Lorsque la guerre se déclare en août 14, la voie est posée jusque au point de croisement connu aujourd'hui sous le nom des Trois Fontaines. Mais c'était tout. La guerre interrompt les travaux, on ne reprend les travaux qu'en 1919 et on les mène à bonne fin en 1924. La voie est posée de bout en bout. Et la ligne est électrifiée. Cette ligne a connu un succès croissant entre les deux guerres, de 1924 à 1939. En 1939,
la ligne de tramway entre Saint-Jean-de-Luz et Sarre avait été supprimée. Les autocars touristiques étaient venus remplacer le tramway. Mais la guerre a tout remis en question. Mais les Allemands, ayant vu l'intérêt stratégique que comportait la Rhune, avaient exigé que la crémaillère fonctionne pendant toute la guerre, et ils avaient installé au sommet de la Rhune un poste de DCA, défense contre avion. Donc on peut dire que pendant la guerre, la ligne a été virtuellement réquisitionnée pour les troupes allemandes. Pratiquement, il n'y a pas eu de circulation touristique. Arrive la libération. Alors, bien entendu, la ligne avait été conservée en bon état et s'est remise à fonctionner pour les touristes à partir des années 45. Appartenant à l'origine aux voies ferrées départementales du Midi, elle était passée ensuite dans le giron des voies ferrées des Landes, autre filiale de la SNCF. Et puis le contrat arrivait à échéance et c'est la CFTA qui a été le nouvel attributaire de la concession. On a profité de l'occasion pour moderniser la ligne, pour acquérir du nouveau matériel. Pendant longtemps, on a dû desservir la ligne avec 3 rames et chaque rame ne représente que 120 passagers. Et alors, avec 3 rames, si on faisait partir en période de pointe 3 rames l'une derrière l'autre, ça faisait 360 passagers qui montaient, mais les suivants, il fallait attendre que la rame descende. Alors, comme il y avait un point de croisement à peu près à mi-chemin, on a pensé que c'était peut-être plus logique d'acquérir une 4e rame. Et comme ça, on avait 2 rames qui montaient, et quand les 2 rames qui étaient montées redescendaient, elles se croisaient avec 2 rames qui prenaient la suite. Donc, le va-et-vient, la souplesse de l'exploitation a gagné énormément à partir de ce jour-là. Les voitures sont construites à l'identique et suivant toujours les plans d'époque, des plans de 1909, puisque les voitures ont été construites à Bannière de Bigorre, aux établissements Soulé, donc nous avons tous les plans de construction. Les voitures sont constituées de bois chêne, sapin, frêne, châtaignier. Et nous avons une entreprise spécialisée d'Asquin qui nous refait périodiquement tous ces lambris, ces ossatures en chêne, en sapin du Nord, en châtaignier. Donc c'est un travail très précis et très soigneux qui est fait par une petite entreprise d'Asquin. Les motrices ont été construites à la SLM, à Wittenthur en Suisse. Et nous avons encore tous les plans d'époque et toutes les pièces sont refaites et usinées à l'identique, avec des contrôles de sécurité et les moyens modernes de vérification actuelle. Le matériel, bien sûr, demande un savoir-faire particulier et nous avons la chance d'avoir su conserver ce savoir-faire dans les petites entreprises locales qui travaillent pour le chemin de fer.
235, s'il vous plaît. Ah bon? Ah bon? Alors moi, je vois deux années simples. Un aller-retour adulte. Adulte, voilà. Et un aller-retour enfant. Merci. Le gars rappelle le sommet. Bon, j'avais envoyé les deux trains, on pouvait descendre. Il est où, mais... J'ai reçu. Beaucoup de personnes viennent à la découverte sans trop savoir ce qu'ils vont découvrir. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en curieux d'abord de voir ce chemin de fer touristique avec des pantographes qui montent au ciel, c'est un truc très typique. Ils aperçoivent la rune de la côte en voyant l'antenne de télévision et la montagne, puisque la rune, bien sûr, on voit la rune depuis la côte landaise jusqu'à Fontarabie et Saint-Sébastien. Un maximum de personnes aperçoivent la rune les jours de beau temps. Nous transportons actuellement aux environs 350 000 personnes par an. Ça fait quand même un afflux touristique assez conséquent. L'été, au mois de juillet, au mois d'août, le sommet de la rune est assez petit. Donc ça fait un minimum, lorsqu'il y a 4 000 personnes au sommet de la rune, ça fait du monde. La rune, c'est une montagne, bien sûr, qui... Il faut quand même la préserver, il faut quand même la protéger. C'est un maximum, je pense, qu'on puisse atteindre pour les années à venir. Il n'y a pas de record particulier à battre, sinon qu'il faut conserver la nature, ben, tous ses droits. Hein. Aussi bien laisser vivre les potiocs et les vautours, il faut les laisser vivre en bonne harmonie avec les touristes qui montent admirer le paysage d'été. J'ai passé mes 25 ans, donc je suis dans ma 26e année de responsable du chemin de fer de la Rune. Donc j'ai vu évoluer tout doucement ce site avec des hauts et des bas. Je pense que maintenant le site est bien assis, bien ancré et qu'il y a une très grande vie, très bel avenir pour lui. Le chemin de fer, je pense, s'il continue à être entretenu et choyé et découvert par beaucoup de personnes, son avenir est assuré.